So we will make once more a lecture in English. And I heard that you speak very well English, and it was not a problem last week. So we have Miranda, who will translate perhaps more the part for the questions. Or if you prefer that Miranda make the French translation, you can make a kind of special vote. But I think it will be easy to understand all the foreigners to speak English. So I will introduce Helena Lettinen. Perhaps several of you saw her in the school. She is this year the artist in residence from the Pop Atelier Bijou of the school. And she will stay with us until the middle of December. And of course, I hope that you will speak with her, you will improve your English, and perhaps the fact that you see her work, it can be interesting also for all the people that don't do jewelry. So I think that Helena will explain you more than I where she comes from. I think that you know where is Finland. Finland is a very special town, a very special countryside. Terry Tolvanen is as well from Finland. And as you know, this is a very special language. Nobody understands what they say. And if you go there, you are completely lost, not only in the snow and in the very beautiful countryside, but also in the language who gives you the idea that nothing is like the other one. Because if you speak English, you can understand some German, and if you speak French, you can understand some Italian, but the Finnish language, you understand really nothing. So it's also a country who has a story with the contemporary jewelry very, very young. So Helena is one of these protagonists who has made that the jewelry, our way to do it, is important in Finland. So it's a little bit like the French. They have two or three schools, two schools, one at the Russian border and one more in the middle. And of course, a lot of the students, and we have had Elvia Blanc-Briand, she was there as an internship or Erasmus. So we have a kind of agreement with Erasmus, with the school in Imatra, and Imatra is quite near the Russian border. Because if you are in Finland, you know that you are quite near the other border, and you're not anymore in the middle of Europe. So I will give la parole to Helena, and I hope you will enjoy the lecture, and I hope that you can understand English. Thank you. Okay, thank you, Monica, and thank you, Enza, for having me here in the first place. First, I want to say something. Well, Monica already explained what sort of country Finland is, so it's a strange. Maybe I should start my speech with a bit Finnish. Joo, kaikki. Tervetulleeksi tähän mahtavaan luentosaliin, mahtavaa määrä ihmisiä. Joo, aloitetaan. No translation. Yeah, but Miranda will translate in any case, so I think it helps you all to. First you hear it in English and then she will translate it in French. Okay, but first something about my professional life, education and also reasons why I make jewelry. Donc, d'abord, je commence avec un mot sur ma vie professionnelle, mon éducation et les raisons pour lesquelles je fais du bijou. I have studied silversmithing in Goldsmith School of Lahti from 1973 until 1977. So it has been 40 years since my graduation. Lahti is also my hometown and also the city where I was born. Donc j'ai étudié l'orfèvrerie à l'école de l'orfèvrerie de Lahti de 1973 à 1977. Donc ça fait 40 ans depuis que j'ai eu mon diplôme. Lahti est aussi ma ville natale.
The school was very much based on technical skills and the traditional way of making and seeing jewelry and corpus. L'enseignement de l'école était très basé sur les acquis techniques et les manières traditionnelles de fabriquer et de voir le bijou et le corpus. L'orfèvrerie. Voilà. And because I then felt that this was not really what I wanted or expected from my education, I saw no future for me in this. Et car à cette époque-là, je sentais que ce n'était pas ça que je voulais ou que j'attendais de mon éducation, je ne me voyais pas continuer là-dedans. But like it often happens, something obviously made me change my whole thinking about what jewelry could also be. Mais comme c'est ce qui est souvent le cas, quelque chose m'a évidemment fait changer radicalement ma pensée par rapport à ce que pourrait être le bijou. I was traveling in 1980 in Germany and was by chance visiting the new jewelry museum in Pforzheim. Je voyageais en 1980 en Allemagne et par hasard j'ai visité le nouveau musée de bijoux à Pforzheim. And there it was, my Prince Charming, who woke me up, so to say. Actually, it was a bracelet made by Otto Künzli, a jewelry artist and a former professor in Art Academy in Munich. Il était là, mon prince charmant, qui m'a réveillé, comme on dit. En fait, c'était un bracelet fait par Otto Künzli, bijoutier et l'ancien professeur de l'Académie d'art de Munich. This piece of jewelry was very modest looking, a round black rubber tube. Inside of it was a golden ball. You could not see if it actually was made out of gold. You just had to believe it. Ce bijou était très modeste. Une tube ronde fait en caoutchouc noir. Dedans, il y avait une boule en or. On ne pouvait pas voir si c'était vraiment fait en or. Il fallait juste le croire. For me, that was a significant moment. At that moment, I realized the power of materials, that a piece of jewelry has a content, and with materials you can make a statement. Donc c'était un moment très important, c'était le moment que je me suis rendu compte du pouvoir des matières, qu'un bijou a un contenu et qu'avec des matières on peut prendre une position. After that I started to concentrate to find my own ways to make jewelry, to find my own materials and my own contents, my own concept. Après ça, j'ai commencé à me concentrer sur la recherche de mes propres façons de créer des bijoux. J'ai commencé à trouver mes propres matières, mes propres contenus, mon propre concept. The name of the piece was called Gold Makes You Blind. Le nom du pièce, c'est L'or te rend aveugle. L'or vous rend aveugle. Nowadays, I have my own studio in Lahti, and I have been working as a jewelry artist since 1980. I have been working also as a teacher, and I'm a member of Hibernate Group with Eija Mustonen, Tarja Tuupanen, and Jenny Sokura, who is now our newest member since last year. We are best friends, have been colleagues at school, and share the same love and interest in jewelry art. Actuellement, j'ai mon propre atelier à Lahti et je travaille comme bijoutière depuis 1980. Je travaille aussi en tant que prof et je suis membre du groupe Hibernate avec Eija Mustonen, Tarja Tuupanen, Jenny Sokura. Oui, qui est la nouvelle membre depuis l'année dernière. On est meilleurs amis et on a été collègues à l'école et on partage le même amour et intérêt dans l'art du bijou. I have a bad taste. I collect ugly objects and materials. J'ai du mauvais goût. Je collectionne des objets et des matières moches. But by doing so, it has helped me to open up to observe forms and materials from a new perspective. Mais en faisant ça, ça m'a aidé à m'ouvrir à l'observation des formes et des matières d'une nouvelle perspective. I have been collecting all kinds of stuff from flea markets, hardware stores, or from nature.
Je collectionne tout plein de choses, à des brocantes, des marchés de puces, des quincailleries ou dans la nature. Sometimes they can be even uninteresting when I bring them to my studio, but still somehow intriguing and meaningful, and at one point very useful. Parfois, ce sont des choses inintéressantes quand je les amène à mon atelier, mais ils sont quand même d'une certaine manière intrigants et pleins de sens et à un moment très utiles. I accept the quality and try to find the best way to present it. All materials have their history, short or long. They have their qualities for me to find, how they react and how they can be used. Materials make our thoughts visible. J'accepte leur qualité et j'essaie de trouver la meilleure façon de le présenter. Toutes matières ont leur histoire, courte ou longue. Ils ont des qualités que je peux trouver. Comme ils réagissent et comment ils réagissent et comment je peux les utiliser. Les matières rendent nos pensées visibles. So I don't so much select my materials, I more or less accept them. This is not an intellectual process, it's more emotional. I trust my intuition and I trust my instincts. Donc je ne sélectionne pas vraiment mes matières, je les accepte plus ou moins. Cela n'est pas un processus intellectuel, mais plutôt émotionnel. Je fais confiance à mon intuition, je suis mon instinct. My table in studio is every now and then covered with possibilities. I can never know in advance what is the most interesting thing or material that leads me to the right path. A lot of the stuff never ends up into the finished pieces, but has created meaningful space to something else. La table dans mon atelier est de temps à autre recouverte de possibilités. Je ne peux jamais savoir à l'avance quelle est la chose la plus intéressante qui va amener au bon chemin. La plupart de ces choses ne sont jamais montrées dans des pièces finies, mais ils ont créé une place significative pour autre chose. So almost everything can be a starting point for a new work or for a whole collection. Not necessarily so that it can be seen in the final piece, but I myself know the traces where it all came from. Presque tout pourrait être un point de départ pour une nouvelle pièce ou pour toute une nouvelle collection. Pas nécessaire que ça soit vu dans la pièce finale, mais moi je connais les traces d'où tout ça vient. It is always a big mystery how the new collection finds its start. In my head is an undefined but possible direction or line to follow. Gradually I find my focus. Thoughts are getting clearer, but stays open until the end. The possible change remains in the process, and often I find myself in a situation that was not possible to predict in the beginning. C'est toujours un grand mystère comment une nouvelle collection trouve son début. Dans ma tête, il y a un sens possible, mais pas encore défini, à suivre. Progressivement, je trouve un axe, des pensées s'éclaircissent, mais restent ouvertes jusqu'à la fin. La possibilité reste dans le processus et je me trouve souvent dans une situation qui n'était pas possible à prévoir au début. I make arrangements at home and in my studio. I practice. With these arrangements, I explore forms, materials, colors. What happens when soft meets hard? Round meets square, when yellow meets pink. It's a conversation between me and my materials. Je fais des compositions chez moi et dans mon atelier. Je pratique. Avec ces compositions, j'explore des formes, des matières, des couleurs. Ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, pardon, quand le doux rencontre le dur, le rond rencontre le carré, quand la jaune rencontre le rose. C'est une conversation entre moi et mes matières. I have a superficial hobby. I read interior design magazines. I take photos from interesting pages and hope to see what happens next. J'ai un passe-temps superficiel. Je lis des magazines de design intérieur.
Je prends tes photos sur les pages intéressantes et j'espère voir ce qui se passe après. This is a colored photo from Finland. C'est une photo du Finlande. In Finland, during the winter, snow is everywhere. The landscape is nearly black and white, or more like white mixed with gray shadows. Everything is blanketed in many layers of snow. One can only wonder what is under all those hillocks. Le Finlande est très enneigé pendant l'hiver. Le paysage est presque noir et blanc, ou plutôt blanc mélangé avec des ombres grises. Comme elle a dit, c'est une photo en couleur. Tout est planté dans plein de couches de neige. On peut seulement se demander qu'est-ce qui est sous toutes ces buttes blanches. It could be considered a bit contradictory to think how a garden in bloom might look in winter. What was again the real narcissus yellow or darling blue shade? How does a mind produce these visions? How does our memory hold on these colors? What feelings remain? Can't we almost smell the perfumes of the garden that elude us? Ça pourrait sembler un peu contradictoire de penser à comment un jardin fleurissant serait en hiver. Qu'est-ce que c'était encore la couleur d'un narcisse jaune ou d'un teinte bleu chéri? Comment est-ce qu'un esprit produit ses visions? Comment est-ce que notre souvenir retient ses couleurs? Quel sentiment reste? Ne peut-on pas presque sentir les parfums du jardin qui nous esquive? The imaginary winter garden has a certain beauty that is different than blooming garden in summer. Le jardin d'hiver imaginaire a une certaine beauté qui est différente de celle du jardin fleurissant en été. Bright colors are difficult for me, but how to describe bright yellow without using it? Les couleurs vives sont difficiles pour moi, mais comment décrire la jaune pétante sans l'utiliser? I had a small plastic bag full of yellow beads in my studio, tempting but difficult. Three beads at a time mended to a piece of fabric. Time and place vanished, repeat until the whole fabric was covered yellow. J'avais un petit sac en plastique rempli de perles jaunes dans mon atelier. Tentant, mais difficile. Trois perles à la fois, cousues à un morceau de tissu. Le temps, l'endroit sont disparus. J'ai répété, jusqu'à ce que tout le tissu était couvert, jaune. Time got new meanings. Frustrating became meaningful. When hands are working, thoughts get clearer. Le temps a eu des nouveaux sens. Le frustrant est devenu le significatif. Quand les mains travaillent, les pensées se libèrent. I'm interested in small subjects, everyday objects, and through this I observe the world. Je m'intéresse aux petits sujets, d'objets quotidiens à travers lesquels j'observe le monde. At one point I started to notice very often one special form, square with round corners, credit card, mobile phone, table, mirror. At my home, I counted over 50. Practical to use, pleasant. À un moment, j'ai commencé à remarquer très souvent une forme en particulier. Un carré avec des coins arrondis. Carte de crédit, téléphone portable, table, miroir. Chez moi, j'en ai compté plus de 50. Pratique à utiliser, plaisant. It's a form that creates big family of objects from different sizes and materials. Materials and sizes are changing, but you can find the basic form from somewhere underneath. One thing leads to another,
and other kinds of families appeared. C'est une forme qui crée une grande famille d'objets de taille et de matière différentes. Matière est à échange, mais on peut trouver la forme basique quelque part en dessous de tout ça. Une chose en entraînant une autre, et d'autres types de familles ont apparu. Everyday objects, kitchenware, spoons, kitchen materials, copper, slate, wood. Ustensiles de cuisine, cuillère, matière de cuisine, cuivre, ardois, bois. Collection of brooches and pendants. C'est une collection de broches et de pendentifs. As I earlier said, it's been 40 years since I graduated. And this year I thought it would be nice to look back, a bit back to my own history. Comme j'ai dit au début, ça fait 40 ans que j'ai fini l'école. Et cette année, je me suis dit que ce serait sympa de repenser à, mon propre histoire. I graduated as a silversmith, but never have been working with corpus. J'ai été diplômée en tant qu'orfèvre, mais j'ai jamais travaillé avec l'orfèvrerie. But the first object that I ever made at school was a silver spoon. Pourtant, le premier objet que j'ai fait à l'école était une cuillère en argent. So when I started to make this new collection, I had to start with it. I hammered a small spoon, didn't polish it, just let it be as spoons are before you start to make them look nice. The second spoon I made out of gold, more like the idea of a possible spoon. Du coup, quand j'ai commencé à faire cette nouvelle collection, il fallait commencer avec une cuillère. J'ai martelé une petite cuillère, je ne l'ai pas polie, juste laissé comme ils sont les cuillères avant qu'on commence à les rendre jolies. La deuxième cuillère, j'ai fait en or, plus comme l'idée d'une cuillère possible. As I said, I've been collecting materials and objects from flea markets and from nature. And now I started to collect my old ideas, but tried to look them from today's point of view. Comme j'ai dit, je collectionne des matières et des objets des brocantes de la nature. Et maintenant, je commence à collectionner mes anciennes idées, mais j'essaie de les regarder du point de vue d'aujourd'hui. So old ideas, materials and techniques I have used during my past as a jewelry artist, and these are the results. Des vieilles idées, matières et techniques sont ce que j'ai utilisé pendant mon passé en tant que bijoutière, et voici les résultats.
Thank you for listening. So if you have any questions. Bonjour. J'aurais aimé savoir pourquoi est-ce que vous avez commencé votre formation par de l'orfèvrerie. Je voudrais savoir pourquoi elle a commencé par de l'orfèvrerie comme formation. So she's wondering why you started with at a goldsmith school. Silversmith. Yeah, good question. The school moved into my hometown. And before that, I never thought that I would have this kind of profession. I thought that always that I would like to be, or I wanted to be an artist, but yeah, things happen. And as I said, the education was not really what I was accepting, but now I'm really happy that I went it through, because I think jewelry is my sort of size. I could never think of making sculptures or something. So this small size, even though these pieces I make, they are not so very small, but still they are wearable and they have some kind of connection with the body. So it was by accident, the choice. C'est bon ou tu veux que je traduise? Oui, j'aimerais bien qu'on traduise. Ok, donc elle a dit que en fait l'école a déménagé dans sa ville natale et qu'elle savait avant qu'elle voulait être artiste, mais elle n'imaginait jamais qu'elle elle ferait de l'orfèvrerie. Et du coup, comme elle a dit, elle ne cherchait pas forcément ce genre de formation, mais elle est contente qu'elle l'a fait parce que finalement, le bijou, ça lui convient. C'est un peu à sa taille. Elle ne pourrait pas imaginer de faire des grandes sculptures, mais le bijou, ça lui convient en termes de petites choses. Yes. Merci. I try in English. And if you don't understand me, you tell me. It was just to ask you, you speak a lot of exterior things, like the house, landscapes. And do you think due to the body when you create your pieces? I don't know if I'm... I didn't quite get the question. Je vais parler en français. It's just because you show pictures of the place where we live, landscapes like la neige, the snow. So I just want to ask you, do you think to the body when you create the piece, or no, or not? Well, the size sort of, it is, they are wearable pieces, but I don't think so much of the body when I make them. I make them as an art object which has the possibility to be worn. Donc elle les fait comme des pièces portables, mais elle pense pas beaucoup au corps quand elle les fait. Elle les fait comme des objets d'art, mais à être portés. Okay, thanks. Mais je pense que c'est important à comprendre qu'intuitivement, elle est dans une taille qui est à la taille du corps. Je pense que ça, c'est plutôt un intuitif, comme elle en a parlé beaucoup, aussi, que c'est quelque chose qui est dans sa taille de ses mains, ou quelque chose que, à la fois, elle pense un objet comme un objet qui est autonome, mais bien entendu, c'est la taille de l'objet qui fait que c'est qu'elle pense au corps intuitivement. I think that I only wanted to say that you think about the body because intuitively you make only small pieces, small. Yeah, I understand the small. Yeah. The size.
who is not the size of a sculpture, but. Oui, j'ai noté que vous disiez tout à l'heure que la matière permet de prendre une position. Et je me demandais en fait si vous aviez une démarche justement par rapport à ça, par rapport à la matière et la position que vous prenez, et quelle est-elle en fait. So she's, she noticed earlier that you talked about the material, the fact that the material allows you to take a position on something, and she's wondering if you have kind of a process about which materials you decide to use for your pieces. Mm-hmm. Well, it's quite a long process because I have all kinds of things on my table, and I sort of look at them like month or 2 months. And finally, I think the material decides what I will use. C'est un long processus en fait parce qu'elle a beaucoup de choses sur sa table dans son atelier, donc elle les regarde pendant un mois ou deux mois, et enfin c'est vraiment la matière qui décide ce qu'elle va utiliser. Ça répond, c'était ta question en fait. Oui, mais j'aimerais aussi savoir en fait si. Finalement, s'il y a un sens derrière une pièce ou pas, est-ce que c'est un travail sur la matière, le matériau, ou est-ce qu'il y a une forme d'idée, enfin d'idéologie, de poésie derrière quelque chose? So she's also kind of wondering if you have like a meaning that you put behind your pieces, if there's like a concept or a kind of poetry that you, if you try to invest it with meaning, or is it really just the study of materials? No, there is always a sort of concept behind it. It's not just the materials. With the families, I think them as a collection of a family of objects. So in the beginning, I was thinking of my own family and what kind of members I have in this family, and how I could present that in a object world. And then it went on and on, and now I'm not talking about my own family, but I talk about the family of objects, made of different kinds of materials. Donc il y a toujours un concept derrière. Elle fait des rapports entre des matières différentes. Donc par exemple pour la collection des familles. Elle a commencé en pensant à son propre famille et après ça a amené à une réflexion par rapport aux autres familles et du coup par rapport à l'association entre les matières mais aussi l'association d'idées derrière. Moi j'ai une question toute simple. Du coup j'imagine que vos pièces sont uniques, elles peuvent pas être reproduites de manière en série, quoi. So he's wondering, he imagines that you make like single pieces, they can't be reproduced in a series, or they aren't? Well, they are unique pieces, so I don't make a series. I try to keep them, well, they can be small versions, but they are always unique pieces. C'est bon? Alors moi j'ai remarqué dans votre travail que vous travaillez sur la surface aussi, enfin c'est des formes en 2D en fait et des compositions, et je voulais faire le rapprochement. Est-ce que en fait le fait de regarder des magazines, est-ce que vous extrayez, est-ce que vous extrayez, je sais plus, bon, hein. Est-ce que vous prenez en fait vous travaillez sur la forme et donc et la composition, mais est-ce qu'il y a un lien avec ces magazines là que vous regardez aussi avec ces systèmes de photos et de 2D quoi? Ouais, c'est un peu flou, ouais. Non, en fait c'est que je demandais juste à travailler le volume mais aussi à travailler la composition avec des surfaces plus en 2D. Okay. Et est-ce qu'elle part? Ouais, voilà. With volume and with two
Est-ce qu'elle a, en fait, est-ce qu'elle est influencée par le fait de des magazines, quoi? Est-ce qu'elle est influencée par les, enfin, la page magazine, c'est, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, ouais, c'est un peu compliqué. Yeah, my works are quite two-dimensional, that's true. They are not copies from the magazines, really. I just get inspired by the arrangements or some materials. But I know that I'm very two-dimensional with my works. And I have very difficult to know why. Because when you study to be a silversmith, you make corpus, which is really three-dimensional. And to leave that behind, I just... Maybe that's the reason I started to make things in two dimensional, because I was suffering a trauma from the course silversmithing. This is a cheap explanation, but I don't have an explanation to this. I think that the remark from Cecile was quite interesting, because when you speak about the journal or the images, they are quite flat in positive sense. And it's really like this, you see that you make pictures in a way, not pictures, but you draw with materials also. Yeah, I don't draw in that sense. I take pictures too, as a drawings. Yeah. Donc elle travaille beaucoup en deux dimensions, elle dessine avec des matières. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce qu'elle a dit avant. Ma question n'était pas très claire. Oui, mais elle était très intéressante parce qu'on peut la traduire en français aussi. Merci. Bonjour. Moi, j'aurais une question, c'est par rapport... Est-ce que vous avez déjà fait des collaborations, en fait, avec des designers ou des artistes, ou est-ce que vous pensez en faire, en fait, même des collaborations en petite unité, même une seule pièce, mais d'avoir une pensée avec une autre personne? So, have you already done like collaborations with other artists or designers, or are you planning on doing so with maybe just a unique piece, but... I have never worked with as a sort of collaboration with any artists, and I like to work alone in my studio. I don't have the need for that. Only I'm in this hibernate group with these three other women, jewelry artists. So we make exhibitions together, and sometimes we have a common sort of a bigger theme for the exhibition, and then we discuss about we all of us make individual work. So you might call that also collaboration, but but that's the only time. Je veux bien la traduction. Du coup, elle a dit qu'elle elle a jamais fait de collaboration. Elle aime bien travailler toute seule. En fait, elle ne ressent pas le besoin de travailler en collaboration. Pourtant, elle fait partie de ce groupe Hibernate. Mais ce qu'elles font, c'est d'exposer ensemble. Ou des fois, il y a un thème plus large, mais c'est vraiment des pièces individuelles qu'elles font. Et du coup, est-ce que c'est...
Elle pense par hasard que si quelqu'un vient, s'il y a une collaboration qui vient se faire, est-ce que c'est sa façon de penser, en fait, de voir en fait, ce qu'il y a sur sa table avec les différents matériaux, est-ce que ce serait plus une gêne ou une aide qui serait venue, qui viendrait en fait directement? Est-ce qu'une personne pourrait l'aider si elle en aurait envie, ou viendrait la gêner en fait, plus la distraire et ne plus avoir cette façon de penser? So if someone were to come and kind of look at your work table, would you see that like as a help for you to have different ideas, or would you see it more as like kind of bothering you in Alex. Your own individual? It's an interruption. Donc c'est une gêne. C'est une interruption. Je suis pas sûr, en fait. Bonjour. Donc, je voudrais demander en fait pour votre première idée de création, est-ce que d'abord c'est l'objet ou d'abord c'est le bijou? So, about your very first ideas for a project, is it first about the object or is it first about actually, I make it to be a piece of jewelry. The it's the last thing I do. Donc le bijou, c'est la dernière chose qu'elle fait. So it's more first it's an object and then I try to find the ways to make it wearable, to be a piece of jewelry. Oui, j'ai une question. J'ai marqué dans votre série La Famille. J'ai marqué que vous avez utilisé beaucoup de petites perles et vous avez dit que vous aimez bien collectionner des matières moches. Mais pourquoi ici vous avez utilisé cette matière, bon, des belles matières? Des belles matières comme des perles, tu veux dire? Oui, oui, comme des perles. Okay, so she noticed in your family's collection they used a bunch of beads, little beads, and you said that before that you like to collect ugly things. So she's wondering why you use these beautiful things such as beads to make your work. Well, it depends how you define beauty. Oui, ça dépend de ce que tu sous-entends par la beauté. Because for me, beads are kitschy stuff. They are kitsch to me. Well, I don't know, but for me it's kitsch. Elle l'a rendue belle, peut-être, mais pour elle, les perles sont kitsch. Donc également. Oui. Ah, ça dépend de. Non. So Monica is wondering if kitsch equals ugly. Could be. Well, kitsch is interesting. Otherwise, I wouldn't use it, but because it has this contradiction, and that's also interesting. Le kitsch est intéressant. Sinon, je l'utiliserais pas parce que le kitsch a cette contradiction. C'est pour ça que je l'utilise. And it's good to challenge yourself. To use the materials that you don't like. C'est bien de se mettre un défi de utiliser des matières qu'on n'aime pas. Comme le céramique, le porcelain. No, this is a reconstructed stone. No. I know, now it's really. I've been working with porcelain and it's like shit. Elle n'aime pas la porcelaine. C'est de la merde. Est-ce qu'il y a... This is for my toilet door. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut encore poser une question?
Est-ce que vous donnez des titres à vos pièces qui induiraient alors une certaine narration ou une histoire de la pièce ? Comme je trouve que le titre est toujours important, que ce soit dans le bijou ou dans n'importe quelle œuvre, en fait. Voilà. She's wondering if you give meaningful titles to your pieces that would, you know, sort of add to the, or give an indication about the meaning of them, since titles are important. The title of the collection is important, like kitchen or family or garden. But I never give names to individual pieces. Je me posais la question, si vous trouvez les éléments que vous utilisez pour vos bijoux moches, est-ce que vous trouvez vos créations belles ? So if you find the things that you use to make your pieces ugly, do you find your pieces beautiful? Do you make them? So he said, if you find the materials ugly that you use to make your pieces, do you find the pieces that you end up making beautiful? No, it's always difficult to say anything about your own pieces, and I will not answer this question. C'est difficile de parler de ses propres pièces et elle répondra pas. A friend of mine, from a girl from the Hibernate group, Daria Turbanen, this is something nasty, what I say now. She said that, okay, Helena takes three pieces of sheet and puts them lying on the table, and it always looks beautiful. Donc, une de ses potes dans le groupe Hibernate a dit que elle prend toujours ses trois petits merdes, elle les met sur la table ensemble, et puis c'est très belle. This is my plastic rabbit called Otmar. We can. You know that we have other questions? No? So wow. Is the microphone over there? Vous avez dit que la porcelaine était de la merde pour vous. comment vous... Enfin, j'imagine que dans votre travail, peut-être actuellement, vous essayez de travailler avec, du coup, de composer avec ce matériau. Comment ça se passe ? Est-ce que c'est vraiment une confrontation avec le matériau ou vous arrivez à trouver un plaisir quand même à le travailler ? Enfin, si vous le faites, bien sûr. Well, it's always good to challenge yourself, even though the first thing that this will not work with me at all. And that's what I have felt during these three weeks that I have been here. It's really difficult to work with porcelain. I feel so bad, but still I think I will learn something about it. If I don't learn something about the porcelain, I will learn something about myself. C'est très bien de se donner un défi et elle a du mal à travailler avec, mais même si elle n'apprend pas, déjà elle va apprendre beaucoup et surtout sur elle-même, si elle n'apprend pas quelque chose sur la porcelaine, ce sera sur elle. Oui, en plus, il faut voir qu'elle ne fait pas des moules.
Je pense que ça, c'est important. Elle n'est pas en train de mouler les objets, donc elle essaye de le travailler avec les mains, qui est encore un peu différente. I explained only that you don't make any mold. So you, not yet. Not yet. So you try to work in other way with the porcelain, so it's not the traditional way. Bah, elle travaille avec la pâte. Yeah. So, wow. En fait, j'avais une petite question au niveau technique. Comment sont assemblées les perles ? Enfin, j'ai vu que c'était sur du cuivre. Est-ce que c'est de la résine ou est-ce qu'elles sont liées chacune entre elles ? Enfin, c'était juste une petite question technique comme ça. He's wondering how you put the beads on. Is it like in resin or is it... No, no, with the needle, three beads at a time. C'est cousu trois perles à la fois. So it's a long process. It takes a long time because I want to cover the whole. It's a felt under and I covered it totally with the beads. C'est la feutrine et elle le recouvre complètement avec son aiguille. Mais derrière il y a quelque chose de rigide, non? Pour there's something, is there something like rigid or is it just felt and beads? Felt and beads. De la feutrine et des perles. Il y a pas de pas autre chose. But when you put a lot of beads, so it gets quite sort of hard. Oui, ça devient raide quand tu mets beaucoup de perles. It becomes very rigid. Yes. Bon, je vous remercie beaucoup pour toutes ces questions. Je trouve ça extrêmement agréable. Et comme c'est... Si vous avez envie, on fait un petit pot de bienvenue à Helena dans la cantine, comme vous avez vu sur la magnifique affiche que des étudiants de l'atelier ont fait. Donc merci encore et à tout de suite. Et merci pour la traduction de Miranda. Bravo! Ouais.